Bienvenue à la présentation du logiciel LineoFood. Ce logiciel de caisse est dédié au métier de la boulangerie, du snack, de la vente à emporter, des crêperies, pizzerias, cavistes, restauration rapide et bien d'autres. Nous y découvrirons la gestion des ventes à emporter, des livraisons, la gestion des menus, l'impression en cuisine ainsi que les différentes fonctionnalités nécessaires à la conduite de votre activité. Nous vous souhaitons une bonne découverte. Nous sommes sur l'écran d'accueil et nous allons nous identifier pour accéder à LineoFood. Nous arrivons sur le menu général qui vous donne accès à l'ensemble des fonctionnalités de LineoFood. La gestion des produits, la gestion des stocks, l'encaissement, la clôture, la gestion de la fidélité, la consultation des statistiques et les mouvements financiers. Ensemble, nous allons découvrir les principales fonctionnalités que vous serez amené à utiliser quotidiennement. Nous allons accéder au menu vente. Nous arrivons sur l'encaissement. Sur la droite, les boutons d'appel produits et menus. Au centre, les principales fonctionnalités d'encaissement. À gauche, le ticket qui se construit à mesure de vos saisies de vente. Nous allons commencer par enregistrer des ventes à emporter avec la saisie de sandwich. Un jambon beurre, une boisson, payé par espèce. Le client nous donne un billet de 10 euros. LineoFood imprime automatiquement le ticket avec la TVA et votre rendu monnaie à 6,30 €. Nous allons procéder à un encaissement avec plusieurs modes de règlement. Nous vendons 3 pizzas. Le client règle 10 euros en espèces. Et le solde par carte bancaire. Les deux modes de règlement apparaissent bien sur votre ticket. Il est possible également de régler via des tickets restaurant. Nous vendons des pizzas. Encaissés en ticket restaurant. La valeur des tickets est de 4,20 €. LineoFood indique qu'il faut 6 tickets restaurants. Le client me donne 5. Il reste un solde de 5 € que je vais régler en espèces. Le détail des règlements apparaît sur le pied du ticket. LineoFood vous permet de gérer les formules et menus. Nous choisissons la formule sandwich plus boisson plus dessert. La formule propose 4 sandwichs. Nous choisissons jambon beurre. Un sprite. Et un éclair. Cette formule à 6,50 € sera encaissée en espèces. LineoFood vous permet d'attribuer automatiquement des commentaires liés aux produits désirés. Nous sélectionnons une salade au thon. Le logiciel vous demande mayonnaise ou vinaigrette. Cette information
sera communiqué directement en cuisine. Nous vendons 3 pizzas, avec la possibilité, si vous le souhaitez, d'ajouter des options. Un envoi en cuisine sera fait automatiquement pour la préparation à la validation de la commande. Nous allons vendre un menu et sélectionner une salade végétarienne, un thon crudité, un brownie, un coca, encaissé en espèces. Pour la vente à emporter, nous sélectionnons les pizzas commandées, de les mettre en commande avec impression d'un ticket. Au retour du livreur, nous rappelons la commande pour la régler et la solder. L'INEO Food vous permet également de gérer vos clients. Vous pouvez, à partir de la caisse, créer de nouveaux clients et connaître leur situation. Ici, le client Rémi Martin est passé la dernière fois le 6 janvier et dispose d'un avantage fidélité de 4,85€ qu'il pourra utiliser à tout moment. La recherche client s'effectue sur le nom, le numéro de téléphone ou son numéro de carte. Ici, Damien Dupont, qui est client régulier, a un crédit de 48,80€. Nous retrouvons sur l'INEO Food les fonctions classiques d'une caisse, avec la possibilité de modifier la quantité, d'annuler une ligne, d'abandonner le ticket en cours, d'augmenter le nombre de produits, d'offrir des produits, de faire des remises et de consulter les stocks disponibles. Notre journée étant terminée, nous allons procéder à la clôture de la caisse. Nous allons saisir le mot de passe du caissier, valider la clôture de la journée. L'INEO imprime un ticket de clôture résumant votre journée avec les encaissements par mode de règlement, une ventilation des ventes par TVA, également par famille de produits, et le détail des tickets enregistrés. Nous allons consulter les rapports de vente. Nous demandons les ventes du 1er janvier au 31 janvier. Sur la gauche, la liste des tickets, à droite, un cumul par mode de règlement. Vous pouvez imprimer ce résultat pour votre expert comptable. L'INEO Food met à votre disposition tout un ensemble de statistiques
Nous avons ici un état des ventes par famille avec un cumul par produit. Ces éditions peuvent être envoyées dans Excel, enregistrées au format PDF ou adressées par mail. Cette vidéo vous a présenté les principales fonctionnalités de l'InneoFood. Vous pouvez également gérer votre catalogue produits et menus ou formules. L'InneoFood vous permet de gérer vos stocks, achats, sorties de vos consommations, inventaire, de gérer vos statistiques, la fidélité client et les mouvements de trésorerie. Cette vidéo est terminée. Nous vous remercions pour votre attention.